Xavier, notre CP. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que t'en penses de notre projet, Xavier? Alors écoute, le brave Justin m'a beaucoup parlé de votre projet très alléchant, notamment le monopoteau. J'attendrai de le voir. Vous le verrez. Monopoteau, c'est pilier central, quoi. Et là, à l'instant, il y a les images de ce qui va se passer dans 4 jours quand ce sera tout fini. Non, par contre, l'angle il est énorme. Ouais, genre là. C'est... Vraiment, on a le larbre là-bas. Là, j'ai ta tête. Là, il est incroyable. Regarde ça de à côté, quoi. Ah ouais. Vidéo. Vlog. Mange quoi ce soir, Alexandre? Des pâtes. Mange des pâtes. On va dire quoi? Non, juste faites comme si c'était un moment de vie tranquille. Vous ah, regardez pas. Non, c'est pas du tout. Non, c'est pas du tout en fait. C'est un plan de coupe, on va dire. Okay. Comme si, imaginez, il y a pas de caméra. Resserre-moi des pâtes, esclave. Resserre-moi des pâtes. Ta vaisselle. Allez, c'est parti. C'est normal. C'est un moment de vie, quoi. Oui, c'est un moment de vie. Oui, là, tu fais calme. Ah, mais là, tu... Qui est le troisième? C'est un mec qui était dans la troupe parfaite, c'est carré. Là, on a mis des rochers là aussi. Hein. Fais quoi là? Travaillez! Fais pas vous rigoler! Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor, was so lazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained with a hanger and pain in the subway train. Long gone the rendezvous. Time had a fool out of me. Baby, can't you see? Allez. C'est moi-même. Ça fait un gros plan sur la tête là. C'est bon? Attends, j'ai mal de pris en main. C'est autant que vous êtes con, ça devrait mieux marcher. Mais voilà, plus que t'es en deux, t'en as un qui a un petit à gauche. Ça s'enfonce ou pas? Ouais, ça sent. Oh! Merle! Merle! Là. Merlin l'enchanteur.
Oh la tante. Voilà, Bilal, j'en ai marre. Mais elle est rentrée en soi. Elle est rentrée. Ouais, ouais, de 5 cm. Elle est rentrée dans le deuxième. Hein. Non, oui, si, regarde. Rentrée, mais non, la galère des installs. Elle est rentrée de même pas. Je rentre même pas ça, regarde. J'ai pas le doigt assez grand, moi, déjà. Ah, je la touche. Ça avance. Super. On est sur le... sur le... bon chemin. Y'a un blog là. Ouais, c'est fou, donc. C'est beau. Oh, en table. C'est très beau. Ça, c'est le projet d'Axon, mais il veut faire un braquard pour la table. Là, on veut faire un braquard. Dis-toi, moi, dis-toi, non, attends. Mais là, mais elles sont là, les marques, elles sont pas là. Je suis là, mais les marques, elles sont là, elles sont pas là. Oui, je sais. Oh. Ah. Je vais mettre un coup dans ma GoPro. C'est un frère. Ça, là. Allez, va te niquer. Ça va être ultra cool. Terminé. Je vais me prendre un coup de marteau. Wesh, wesh, wesh. Mais frère, ça t'enlève pas. Un aperçu de votre collègue. Ah, ok. Hein? Hein? Ah, ok. Oh, mais en fait, on est dans le film, vous allez. Ça va, tranquille, je te dérange pas. T'as combien de hauteur là, Justin? Oh! À peu près 3,50 m. Sympa. Juste avant ça, on demande le j'ai les baloches. Et le titre constante. Hein. Ils sont à l'humidité qui colle au fond du sanitier, c'est que le temps est à son humidité. Putain, la seule fois où il s'est raté. Y'a rien qui vaille. On peut la refaire si vous voulez, monsieur les cadres. Allez, on la refait. Comme les baloches coucou. Colle au fond du saladier, c'est que le temps est à l'humidité. À méditer pendant 4 heures. S'il vous plaît. En bas comme l'air. Tanguy, il y a du niveau. Vous pouvez faire repas à trois côtés juste à côté. Allez, Tanguy, je t'ai parlé. Thank you.
Ça m'étonnerait. Bah regarde. Bah dépêche-toi, c'est ça. T'as un couteau ? Tiens, un couteau. Moi je trouve qu'on devrait faire un truc. C'est que les chefs fassent un tronc cul après pour les scouts. Ouais. Attends, on va plus boire un petit peu. Allez, allez, allez.
vous êtes, là vous êtes en train de gagner. Ouais, c'est ça, et zéro. Ouais, et donc, vous avez quelque chose. Et donc, on va continuer à jouer, je sais pas comment trop on joue, mais on va continuer sur cette lancée. Tout le monde se met dans le match. C'est pas mal. Ils auront des petites biscuits à la fin du match s'ils gagnent et on continue comme ça. On sort les doigts des fesses et normalement ça devrait y aller. Hein. Au revoir, merci et on se revoit à la fin du match. Après le match, ouais. Allez, alors, attention! Vas-y, tac, les gouris. Oh là, le monstre. Il a vu le verre, c'est un monstre. Merde. Il est nul. Ça va, mais oh. Monsieur Balthazar de Marty, que pensez-vous de votre char? Oh bah oh, c'était de la qualité F1. T'en penses quoi toi? J'ai peur. Ouais, il me fait mal. Allez, attends. C'est bien. Il fait mal, c'est parti. Merde, on en a perdu un. Les gars, vous avez tué votre gamin. On a gagné. Bonhomme. On peut l'applaudir, franchement, ouais. Bravo. Pète-lui les genoux.
Allez, j'ai pris un. Vas-y, plonge. Plonge dessus. Par dessus. Vas-y. Un, deux, trois, saute. Ouais. Voilà. Encore. Oui. Victoire Cyprien. Le vieux Maingolois, vive le vieux vin de vigne, le vieux Maingolois. Tant en des sièges, le neuf rouge et soleil, tant en des fers, l'eau de son vernet. Le vieux Maingolois, vive le vieux vin de pomme, le vieux Maingolois. Vive le vieux vin de pomme, le vieux Maingolois. Tant en des sièges, le neuf rouge et soleil. Quand on le clair, flot de sang vermeil. C'est le sang gaulois qui coule, c'est le sang gaulois. C'est le sang gaulois qui coule, c'est le sang gaulois. Quand on le clair, je le flot de soleil. Quand on le clair, flot de sang vermeil. Amenez le vieux vin gaulois. Alors, Bretagne, Bretagne-Londres. Oh non, pas non. Et pour donner de la force pour les éditions qui s'annoncent compliquées parce que le concert n'est pas à la porte à côté, le bar vient de chanter une chanson très connue chez les Vikings, une chanson qui parle des partisans et est tellement connue qu'il la chante tous les jours au moins 198 fois il la chante. Vous avez entendu 198 fois. Non. Salut à tous, c'est Yumixo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, décor un peu spécial pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui on va lancer des pétards sur des scouts, on va faire des courses de brancards, ça va être des barres, exploser la barre des pouces bleus, souscrivez à l'abonnement et on se revoit tout de suite, allez ciao. Derrière moi les gars. Derrière moi. Bravo, ouais. Génial. Allez les gars, go. Bravo, le CP de l'épisode s'est porté. Génial, j'adore ça. Allez les gars. Allez, super ça. Allez, super.
une réaction à chaud. Salut. Bien ça, bonhomme. Une réaction à chaud. Allez, allez. Ah, moi j'ai une réaction à chaud. Voilà. Ok. Excusez-moi. Merci. Non, ça va pas être facile du début à la fin. Même si je pense qu'on fait un beau dernier tour. On change de position. On met un plus léger sur le brancard. Et du coup, tu vois, derrière, qu'est-ce qui se passe? On cavale direct. Est-ce que vous merci pensez pas vous que c'est à l'image de votre année sportive? Bah si, clairement. Au début de la saison, j'étais blessé, cassé le nez et tout, je sais pas quoi à cause du rugby. Mais voilà, il faut se relever des blessures et toujours être debout, fier au vent et regarde bien droit. Allez, bien bravo, bravo, bravo. Super, top. Allez, en immersion pour le largage de bouffe. Tout est ready. Est-ce que vous êtes prêts, les guys? Bien sûr, on peut. Bien sûr, Bodé. Tu m'as dire? Je pense que les troupes sont fatiguées, mais elles ont faim. Elles seront démenées pour trouver toutes les embûches qu'on va leur lancer, notamment de la farine, des œufs. Ça va tout perdre.